Hello la compagnie, c'est Laflis et je vous retrouve de nouveau sur Endless Space pour continuer notre aventure dans l'espace. Alors, moi je tourne cet épisode à la suite du précédent et même de tous les autres parce que je n'arrive pas à m'arrêter sur ce jeu, c'est terrible. J'ai l'impression de jouer 10 minutes alors que ça, il joue depuis maintenant quelques heures. Et oui, on avait plusieurs vaisseaux stationnés. Alors, ici, on avait dit qu'on allait coloniser la Terrienne. Voilà, déjà... Non, il n'y a pas de malus. la Terrienne, donc, avec un bonus, et ce sont de très bonnes planètes en général, voilà. Plus 4 en nourriture, plus 4 en brume, plus 2 en industrie et en science. Et en plus de ça, ben, on a du titane, ce qui va... quel boulet. Ce qui va nous permettre de fabriquer nos missiles, enfin. Enfin, enfin. Alors, ensuite, on a... Oui ? Clairvoyant qui s'est arrêté où, ici ? Pourquoi ? Je t'ai dit d'aller là. C'est tout ce que tu fais en trajet ? D'accord. Un envahisseur qui va descendre. Toi, tu es censé aller je ne sais pas où. En bas aussi, très bien. Et le dernier stationné, c'est celui-ci. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, même pas, il n'est pas stationné, c'est pas lui. Ça doit être lui. Flotte bêta, voilà. Alors toi, tu vas partir ici. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, ici, normalement, on va pouvoir fabriquer... Donc on a laser. On va fabriquer... Hop. Attendez. J'avais fait sur quel modèle laser, ok. Donc cela, on va fabriquer missile. Avec un moteur, toujours. Ah, on va pouvoir faire les blindages. On va pouvoir augmenter notre tank. Et ici, on va blinder 2 missiles. 4. On va peut-être mettre des flaques aussi, au cas où, vu que... y en a de plus en plus. Et du cinétique à 2. Voilà. Donc longue portée, c'est tout ce que tu feras. Créer. Sachant que, est-ce que les lasers, je les ai mis modifiés en moyenne portée. Voilà. Et en plus de ça, je gagne au niveau du tonnage. Donc je vais pouvoir, là... Mais j'ai pas mis de protection ici. Si. Alors, on va mettre des protections flaques, par sécurité. Appliquer. Donc laser, missile, envahisseur clairvoyant et donc mon tank modifié où on va rajouter alors, le blindage qui pèse 11. Pourquoi j'ai des... Ah mais je me suis complètement plantée là. Pourquoi il est... il a des trucs lui. Ah mais je me suis plantée de chez plantée. Parce qu'au lieu d'y mettre des défenses... Je lui avais mis des attaques. Merveilleux. Donc les tanks qui sont partis, ils servent strictement à rien. Blindage. Donc plus 5 défense sur défense. Et plus 50 au niveau de la vie. Ça, c'est quand même génial. Non, on va en mettre qu'un pour le moment. On va en mettre qu'un. On va mettre un petit peu plus de défense. Ici et ici. On est à 138. Allez, on va mettre un faisceau de plus. Peut-être un truc comme ça de plus, en fait. Ouais. Appliqué. Voilà. Je fais peut-être de grosses conneries, je ne sais pas. Le défenseur, lui, on n'en a plus besoin, normalement. Voilà, ça c'était un mix à la con du départ. On supprime. L'usine, on la garde. Le chercheur... le chercheur, en fait, on va le supprimer aussi. On va garder le clairvoyant. Par contre, le clairvoyant, pourquoi j'ai pas utilisé ça? Oui, pour mettre le module, exact, pour mettre le module de réparation et non de défense. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ici, on va pouvoir... Oh là là, ils sont juste satisfaits, quoi.
Expansion et surpopulation. Ouais, mais méga, je peux pas. Pourquoi toi t'es colonisé et tu n'as pas d'exploitation? Quelle est cette infamie? Ici. Et ensuite, on va créer 3 missiles et 2 tanks. Voilà, on a de quoi faire. Au niveau des sous, on est un peu à la dèche, plus 55. Au niveau du score, 212. L'autre est à 241, on remonte. On est deuxième économie, premier en connaissance, alors ça va falloir m'expliquer. Et premier en point de commandement et deuxième en armement, donc c'est déjà pas mal. Et on peut passer au tour suivant. Dans 13 tours, enfin 12 je pense bientôt, voilà, on aura de nouveaux héros. Les tanks qui me servent strictement à rien, étant donné que j'ai fait de la merde au moment de la création, mais c'est pas grave, fusionner, ça fera de la force de frappe. Donc toi t'as fini ça. Ce fut rapide. Un tour. Que demande le peuple? Un seul tour. Ah! Il y a une flotte inconnue qui arrive par là. Et toi, quelle est ta trajectoire? Tu n'as pas de trajectoire. Donc comme lui arrive ici, on va partir par là. Même si je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Et les autres c'est bon. 509, toi on sait pas combien tu as encore. Toi, normalement tu es stationné. Non, même pas. C'était toi. Voilà. Non, même pas. Putain, il est où? Ah, il est là. Je pense. Ouais, clairvoyant. Ok. Tour suivant. On est reparti. Alors, construction finie d'un des missiles, je crois. Un niveau de prix. J'ai rencontré une nouvelle race. Donc avant de faire ça, on va regarder ce qu'on a. Donc les sciences, ça commence à le faire. Donc on va commencer à augmenter ceci. Accepter. Qui c'est qu'on a rencontré? Ah, United Empire. Alors ça c'est pas bon. Parce que ça commence à faire une grosse force de frappe. Et là, juste pour le moment, j'aimerais juste voir. Je pense que c'est eux, elles, qui sont en tête. Enfin non, c'est... Si, ils passent devant. Je pense que c'est eux qui sont en tête d'armement. Donc on va tenter la paix avec eux pour le moment. Parce que eux, ils me font peur. On peut pas. Très bien. Très bien. Y a pas de souci. Y a pas de problème. Ici, qu'avons-nous? Oh là là, plein de trucs. Plein de trucs cool. Mais sur des planètes pourries. Tant pis. On continue notre avancée par là. Là, on n'a pas créé le vaisseau. Missile. Ici, un autre clairvoyant. On va faire partir pour le moment. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est quoi, lui? Oh, punaise. Envahisseur et clairvoyant. Mais carrément pas. Ça va avoir une force de frappe énorme. 44. J'ai quand même un peu la trouille, là. On va voir ce que ça donne, mais... là, maintenant que je vois des pirates, avant, ils me faisaient rire. Là, sur le coup, ils me font peur. Clairement, quoi. Ils me font vraiment peur. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Tour suivant. Si je bouge pas, ils vont m'attaquer. Bouge. De suite. Tu bouges pas. Pourquoi? Ah, mais parce que t'es déjà attaqué. Voilà. 44-54, dis-moi pas que t'as des missiles. Ah, bonne chose, tu n'as pas de défense. Donc, Pirate Ship Raider 1. Je pense que tu vas fuir. Mais j'en doute. Quoique après, on va faire une défense.
Bon, tant pis, on va tenter ça comme ça. On fait un auto, on verra bien. Ah, il a fait l'attaque. Punaise. Il a rien pris, quoi. En même temps, je suis complètement con. Parce que... j'ai pas d'attaque, en fait, là-dessus. J'aurais dû fuir, tout simplement. Est-ce que tu peux encore fuir? Non. Très bien. Eh ben, on est bien barré, vous voyez. Envahisseur, tu vas fusionner ici, vu qu'on a 7 de capacité maintenant. Et en plus, il défend. Waouh. Oh là là. On n'est pas dans la merde. Missile, tu continues à venir là. Et c'est tout ce qu'on avait à faire. Missile en construction, ici. Est-ce qu'on a des améliorations? Non. Pas d'amélioration pour vous. Si je fais ça, est-ce que je perds en tour? Non. Bon, on va continuer à créer un petit peu d'argent. Ça devrait remonter un petit peu le moral. Toi, tu commences à empiéter sur moi. Ça me plaît pas. Déjà, je te le dis. Il faudrait que je... Oh non, non, carrément pas. Mais quelle partie de merde! Sérieux! C'est pourri, quoi. Sol médiocre, quand c'est qu'on a, là? Est-ce que ça prend, sol médiocre, ça? Non, si, non. Oh non, c'est la deuxième? Oh là là. Sol médiocre. Aïe, 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 aïe. On n'est pas prêt de le coloniser, ça, je vous le dis. Très bien. Alors, ça, c'est pas pour maintenant. Je suis en train de me dire... Ah oui. Ah oui, bah j'ai le malus. Oui, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je me... Que je me dirige vers les planètes stériles. Alors, ici, où est-ce qu'on en est? Ok, ma capitale qui est pas mal en industrie. Et les autres qui montent gentiment aussi. Ici, oh mon dieu. Ah oui, c'est elle, je l'avais complètement oubliée, elle. Il faut lancer ceci. Et après ça, on fera... Ouais, il y a 8 tours dans les deux cas. Alors, soit on fait ça au risque de perdre, vu qu'on a que 1 de génération. Je pense qu'on va faire ceci avant. 1 plus 8, moins 2, ça fait 7. Donc, on va faire ça en premier, et après, on fera ça. Oh mon dieu, 20 tours. Et ça, tu me donnes quoi? Plus 2. Très bien. Bon, ben, on va bien voir, hein, de toute façon. De toute façon, alors, sachant... Oh, ouais, on peut pas coloniser avec notre malus. Ça, c'est vraiment handicapant. C'est très, très handicapant. Enfin, oui et non, parce qu'au final, on coloniserait pas du tout, sinon. Mais bon. Ok. Bon, ben, on va continuer à produire pour augmenter un petit peu l'approbation. Mes vaisseaux sont en bonne route. Et j'ai plus rien de plus, quoi. Il me reste que ce truc-là, mais... j'ai un sacré problème avec... avec ces gentils... Vous, je vous ai pas déplacé. Missile, venez là. On va faire la première flotte à partir d'ici, et après on en recréera, qu'on fera partir d'en haut. Hop. J'ai découvert quelque chose. Oui, forcément, tu m'attaques! Le problème, c'est que tu vas me tuer. Il va faire repli, mais j'y crois pas beaucoup. Voilà, il m'a tué. C'était à prévoir. Au niveau de mes vaisseaux, d'accord. Donc, on a rencontré nos chers amis. Peut-on faire une alliance, s'il vous plaît? Vraiment, une alliance en plairait avec vous, là. Sur le coup, offre de paix, mon Dieu. Proposez. S'il te plaît, accepte. Très bien. Voilà, parce que là, j'ai vraiment pas envie de me frotter à vous. Découverte stellaire, vous avez cartographié la moitié de la galaxie, une vraie prouesse. Après tout, le savoir est le premier pas vers le pouvoir et la domination. Donc on a fait la moitié et il nous reste une faction à rencontrer. Alors, toi, tu t'es arrêté ici, qu'est-ce que vous avez vous comme planète? Artefact ancien, genre... faune hostile, vous avez pas grand chose... Vous avez tout colonisé quoi, c'est... Moi, j'en suis très très loin de coloniser toute ma truc.
Ici, par contre, on en est où? Oui, parce qu'il faudrait quand même que je surveille les colonisations. Là, c'est la toxicité. Ça m'embête énormément. Et toi, tu fais moins 5, mais ici, il y a des bonus. Et vu qu'on est full, je pense qu'on va partir sur celle-ci. Voilà, on va faire ça. Colonisation aride. Deux tours. On va l'enlever, ça, sinon on va pas savoir où on en est. Toi, tu en es là. Et au niveau des améliorations, on n'a rien de plus. Ouais, on va jeter un petit coup d'œil quand même sur les planètes à coloniser. Et pas de Manus, hein. Non, aride. Aride, ici on est à 2. Mais on ne peut rien coloniser de plus. Il y aura ici aussi avec la fameuse technologie, enfin la merveille plutôt, qui a quand même pas mal de bons bonus. Donc à terme, ici, quand vous aurez fini tout ça, vous ferez... D'ailleurs, en plus, c'est dans 6 tours qu'on augmente de population, donc ça ira très bien. On va faire une usine. Voilà. Et ici, est-ce qu'il y avait... Ah oui, il y a la toundra. Donc en fait, on va faire 2 usines, de toute façon, d'ici là. Je pense que... Oh mon dieu, 60 tours. Ouais, mais d'ici là, vous aurez beaucoup plus d'industrie. Alors, ensuite, qui est coincé là? Alpha, c'est toi? Oui, c'est toi. Donc toi, il faut que tu avances. Tu as découvert quoi ici? De la merde. Oui, c'est comme ça, messieurs, dames, chez moi. Nous parlons cash. Ici, il y a quelque chose à découvrir. Toi, est-ce que tu fais partie des vaisseaux coincés? Je ne sais pas. Envahisseur, donc toi, tu vas fusionner ici en attendant. Non, tu ne fusionnes pas, en fait. Tu vas faire une nouvelle flotte et je ne sais pas du tout où on va t'envoyer, en fait. On va te laisser là, en attendant. Non, c'est trop risqué ici. C'est bien trop risqué, on va t'envoyer par là. En attendant, même par là, en fait. Voilà. Pas revenir, quoique en fait c'était plus court par là, mais bon, c'est pas grave. Et... Mais non, pas toute la flotte, hein! Non, vous avez pas compris, là. Là, c'était juste le premier vaisseau. Bon, alors, toi, après coup, tu reviens. Voilà. On est obligé d'aller puis de revenir, ça c'est un petit peu chiant. Vous avez du titane. Vous en avez combien de titane? Un, bon, ok. Alors, ensuite, vous allez partir par ici. Ok, ça c'est fait. Et visiblement, il n'y a plus rien à faire. Ça, toi, tu continues à convertir en brume pour le moment, que tout le monde remonte un peu, parce qu'on a un peu la dèche. Et peut-être qu'on ira mettre un vaisseau protecteur, machin. Manière 2. Et puis, c'est tout. Fin de tour. Mais non, mais ça fait déjà 20 minutes, quoi. J'ai rien fait. Allez, on avance. Un XP sur la flotte alpha. Des trucs de terminer. Ensuite, toi, tu as découvert une planète déjà colonisée. Avec de l'hyperium. Ça, c'est des mouleux, cela. Voilà, tu pars par ici. Toujours dans leur territoire. Toi, visiblement, tu es coincé aussi, donc tu vas partir ici. Voilà. Et tu as quelque chose à découvrir par là. Ceci est fait. Eux, ils sont en train de faire leur manège, là. Toi, tu continues à te diriger par là. Et vous, vous travaillez gentiment avec encore 2 tours. Bon. Et il me reste un tour pour... Je vais créer un autre missile. Missile tank-tank, pourquoi? Grand mystère. Toi, tu restes là. Et ici, on a quoi alors? Un clairvoyant. Qui n'a absolument aucune destination, bien sûr. Pourquoi? On n'en sait rien. Alors ici, est-ce qu'il va toujours y avoir les pirates? Ça vaudrait le coup d'aller jeter un œil. Non, attends. Non, t'es en bon état toujours, donc on va aller voir par là. Et on finit le tour.
toujours. Oh là là, on a fait 50 tours, on a même pas vu toute la galaxie, quoi. Voilà, eux, ils repartent. Voilà, donc comme prévu, il y a toujours les pirates. Donc on a un avantage, vous risquez... Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais strictement rien. Et comme de toute façon, j'ai que de l'attaque. Non, j'ai l'attaque et la défense. Toi, tu as quoi? De l'attaque? Soit tu vas te défendre, soit tu vas saboter. Oh mon dieu, je sais pas du tout comment ils réagissent. Si tu te défends, ça va être sabotage. Mais t'as tendance à me faire ça dès le départ. On va essayer de tactique. On va le faire en manuel pour voir. Désolé, c'est un peu long. On en profite un petit peu. Une petite cinématique comme ça de combat, ça fait pas de mal pour une petite vidéo. Et on va voir ce que ça nous donne. Quand on clique ici, d'accord. Alors, que vas-tu choisir en premier? En même temps, il peut peut-être faire qu'attaquer. S'il a que de l'attaque, il va pas jouer d'autres cartes. Mais bon, sait-on jamais. Ah, il a fait l'attaque. Défense. Défense, mon ami. Histoire qu'il me fasse pas trop mal, quand même. Il a 46. J'ai 20 déflexions, donc je prends quand même 20 chaque fois. C'est un peu la dèche. Donc moi, j'envoie mes missiles, là. Qui touchent pas. Ah si. Ouf, il explose. Voilà. Il explose, c'est parfait. Sachant que vous voyez, il allait rattaquer. Donc en fait, ils réagissent quand même beaucoup à leurs équipements, les pirates. Donc s'ils ont que de l'attaque, ils font que de l'attaque. Au moins, on aura gagné et on se sera débarrassé de ce scout pirate. Donc on va attendre un petit peu pour réparer, même si je crois qu'on peut pas réparer quand on n'est pas dans notre système. Alors, au niveau des recherches, on a débloqué les prochaines torpilles et les prochaines flaques. C'est nickel, ça. Nickel de chez nickel. On va tout de suite aller améliorer nos vaisseaux. Donc, tout d'abord, le tank. Le tank avec l'amélioration flaque. Est-ce que c'est la dernière prise, ça, du coup? Oui, je pense que oui. Alors, si je fais une mise à jour automatique... Non, je sais pas si tu... quitter, oui. Parce que je veux voir si, mise à jour automatique, tu me changes les chiffres. 3, 3, 4. 2, 3, 4. Pourquoi? Ça passe pas ou quoi? Bah si. Il m'a rien enlevé d'autre? Non, il a pas l'air. Donc 3, 3, 4, ça me paraît pas mal. Il y a un truc que je trouve bizarre, attendez. Modifier. Oui, donc 5, 6, 10. Oui, mise à jour automatique, si ça va juste... Ah, mais zut! Excusez-moi. 3, 3, 4. Ici, j'avais... Je suis à 93. Oui, en fait, il me gère par rapport au poids. Ok. On va quand même en mettre un de plus. Voilà. Appliquer, c'était le tank, hein. Donc on va regarder un truc. Est-ce qu'il me reste des tanks déjà? Des tanks anciens. Des tanks 1. Mais c'était les deux, je pense, que je voulais. Donc mes tanks sont morts, donc on ne pourra pas savoir. Mais ils étaient à 106. Ah oui, mais parce que j'avais des attaques, j'ai rien dit. Je n'ai strictement rien dit. Alors, du coup... Ça, c'est quoi? Un vaisseau a été automatiquement mis à jour dans... Oui. Donc, en fait, j'avais un vaisseau en construction. Il l'a mis à jour automatiquement. Donc, voilà. Tank 2. Le prochain, ça sera un tank 3. Donc, c'est nickel, parce que je vais pouvoir voir combien il y avait de force. 79. D'accord. Bon, bah, ça va. Ça va, ça va. Donc, toi, tu ne fais plus rien. Aucune exploitation. Alors, toujours pareil. Quoique aride, ça reste quand même des... la brume. Combien es-tu? 4. Flore mutante, tu me rapportes quand même...
Ouais, non, on va quand même partir. Je pense qu'on va toutes les mettre en usine géo-industrielle parce que de toute façon, c'est ma seule revenu, mon seul revenu de nourriture. Donc, je pense que ça reste quand même le plus important. Dans le pire des cas, on met pendant quelques tours la transformation d'industrie en brume. De toute façon, dans le système, les améliorations ont été faites. On a de l'hyperium ici, c'est parfait. Mais ça sera pas pour tout de suite. Et ça. Mais ça me prend l'hyperium de là-bas, ça me le montre sur toutes les trucs. D'accord. Ok. Oui, bah ça doit être sur Empire en fait. Non, bon bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, géo-industrielle, elle est lancée. Et puis, bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Et on va attendre. Sachant que ça nous donne combien, ça? 54 au total. Ok, bon, toi, tu dois être à 100 et quelques. Et toi, à 85. Ok. Est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Non. Donc, toujours en construction là-bas. On a un vaisseau arrêté ici. Quel était-il? Un envahisseur? Oui, parce qu'il était en attente. Attends, on va le laisser là. Non, on va pas le laisser là. Vu qu'il y a les autres qui arrivent, on va le ramener direct. De toute façon, on n'a rien à perdre. Vu que le temps qu'on construise tout ça, on a largement le temps. De toute façon, il y avait que deux lignes à franchir. Toi, je ne sais pas ce que tu fais, ni où tu vas. On va attendre le tour prochain, voir si tu bouges. Ah mais si, c'est les missiles. Bah pourquoi il n'y a pas de... Par là. Par là, par là, et c'est tout. Tour suivant. Plus ça va, plus il y a des trucs à gérer. Ah, il baisse au niveau de l'influence, ça c'est pas mal. Où est-ce qu'on en est? On est en deuxième position. Avec l'United Empire qui est toujours à 286. Ici, on a deux constructions à faire. Alors attendez, d'abord on va faire ça. On va d'abord regarder où est-ce qu'on en est au niveau des vaisseaux. Toi, que fais-tu là? D'accord, toujours en train de faire ça. Toujours pas d'amélioration visible au niveau de l'industrie, c'est bien dommage. Du coup, il va falloir attendre encore quelques tours. Toi, tu rapportes quoi? 10. Et Terrienne, est-ce que tu rapportes quelque chose? Non. Juste 10. Ça fera 20. Oui, je sais compter. pom 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 pom. Toi, cher ami, tu as découvert un nouveau système, minuscule désert, gravité réduite, c'est bien, mais c'est pourri. Donc, tu vas partir vers cette planète. Oui, par là. Par là. Merci. Alors, découverte, plus 5 de recherche, très bien. Et nous avions donc ceci, donc Zouin. On a un tank ici, créé. Rien faire là, l'approbation. On est en blanc quand même. Tant pis. Tant pis, tant pis, on va continuer nos vaisseaux. Parce qu'on n'est pas en déficit par rapport à la flotte. Non. Alors on va faire un clairvoyant. Il faudrait que je réfléchisse par rapport. Attendez. On va. Attends. Attends, 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 attends. Parce que là, on est en train de faire n'importe quoi. Et il serait peut-être temps quand même de se réveiller là. Là, on en a trois. Ici, on a un envahisseur qui arrive. Ici, nous avons un clairvoyant qui s'en va je ne sais où. Mais qu'on devrait plutôt intégrer à cette flotte. Là, on a combien? 3 sur 7. Le clairvoyant nous permet d'avoir une bonne vision, mais n'est pas franchement utile. L'envahisseur encore moins par contre. Donc, soit je fais des flottes purement militaires, mais j'ai que 7 points de commandement. Il faudrait vraiment que bientôt il nous reste ça. Donc en suivant, il va nous falloir des points de commandement, obligatoirement. Ici. Et le suivant, ça donne quoi?
D'accord. Donc on a cela. Sinon il y en avait un par là qui donnait 3 en 5 tours. C'est 3 lui. Oui. Et l'autre bonus, c'est vrai qu'il y a un bonus sur les tours et sur l'XP. On va prendre plutôt celui-là. Hop. Parce que ça m'embête d'aller dans cette branche qui m'intéresse pas spécialement, à part peut-être pour... c'est le siège, ça, je crois. Non, même pas. Même pas. Je croyais que ça faisait partie des sièges, mais non. D'accord. Alors, ça, d'accord. J'ai dit des points de commandement. Il y a quand même pas mal de tours. Donc un envahisseur qui arrive. Et un clairvoyant. Donc je pense que ces deux-là devraient être intégrés à ce genre de flotte. Ce qui nous fait 5. Avec 2 tanks. Il nous faudrait... il nous faudrait que des missiles en fait. Oh, attends. Non, c'est bon. Il nous faudrait 2 missiles de plus. Alors par contre, la bonne blague, c'est que je n'ai pas mis à jour mes missiles. Hop. Alors, longue portée, on est à 3, 4, 1, 2. Modification automatique. 3, 4, 2, on passe à 2, 3, 2. On peut rajouter de la défense. Module de soutien, c'est bon. On va laisser tel quel. On doit perdre un petit peu. Non, on gagne. On gagne, on gagne. 136. 136, sachant que les précédents avaient... On ne voit pas le total ici. Bon, de toute façon, c'est vite vu. Sur la flotte, il y en a deux. On est à 198, donc c'est forcément plus puissant. Donc, je récapitule, les deux ici reviennent là. Qu'on va intégrer à la flotte. Et en plus de... J'avais pas lancé des missiles, là. Bon. En plus de ça, on lance 2 missiles, voilà. Donc on est à 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bon. Ici, qu'avons-nous? 2 missiles en mauvais état. Un truc de départ qui arrive. Elle, il faudra la mettre sur cette flotte, parce qu'elle sera quand même plus intéressante. On a un envahisseur. Ah oui, c'est vrai qu'elle augmente le taux d'envahissement, donc c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir. Et donc ces deux-là vont fusionner en fait, on est à 2 et là on doit être à 5, nickel. Ça nous fait 7, c'est parfait. Ok, je viens de passer 10 minutes. Oh non, 32 minutes déjà. Ok, encore une fois, on n'aura pas fait grand-chose, j'en suis désolée. Je parle beaucoup, je réfléchis beaucoup aussi, et pas forcément pour faire des bonnes choses, mais... Au moins un petit peu. Ici, on est à 56, on va rien fabriquer. On va mettre un convertisseur de brume pour augmenter un petit peu. Parce qu'avec toute cette flotte, je sens que on va être à la traîne. On est que troisième force militaire. Là, ça craint. Ça craint méchamment. Ça craint méchamment. Ici, c'est bon, effacé. Mais écoutez, on est au tour 50. On est toujours deuxième. Et on va s'arrêter ici. 56%, là aussi, il va falloir faire très très attention que ça descende pas. Faut vraiment pas que ça descende. Hein. Et là, dans 6 tours, on aura un nouveau héros. Voilà, on va sauvegarder. Hop, sauvegarde. Tour 49. Et puis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Je vous fais de très très gros bisous. Merci de me suivre et à la prochaine. Bye bye! Dancing inside with the hunger game, sparkling.